Non, c'est pas vrai, écoutez pas les copains. Je vous en supplie, c'est pas moi. Merde, Ivar, j'ai dans mon bureau immédiatement. Frère puni, sœur ravie. La dédicace. Ne t'inquiète pas, j'ai appelé le docteur. Après quelques jours bien au chaud à la maison, tu seras de nouveau sur pied. Oui, mais alors ça veut dire que je vais manquer l'école. Ta sœur te rapportera les devoirs à faire. Laisse-toi faire, un peu d'eau fraîche te fera le plus grand bien. Tu pensais que tu allais manquer l'école en t'y prenant comme ça? Désolé, mon garçon, mais tu m'as nettement sous-estimé. Non, c'est pas vrai, c'est pas les copains. Et par-dessus le marché, tu accuses ta sœur. Nina n'a jamais essayé de sécher les cours, je te signale. Allez, Harry, j'ai dans mon bureau d'aller à l'école avant que je me fâche. Comment faire punir son frère en mille et une leçons? C'est pas vrai, je le crois pas, maudite alien! Elle a eu le culot de faire ça! Hé! Attends! Hein? Rends-moi mon livre! Je t'ai aidé de me rendre mon livre, Mitra! Même pas dans tes rêves! Rends-moi mon livre tout de suite ou je t'arrache les oreilles pour en faire des frisbees! Ton bouquin pourri, je vais le déchiqueter, le hacher menu, le laminer, ensuite je le brûlerai et après je... Et ça compte là-dessus, l'alien. Si tu ne me rends pas mon livre, je le dirai à maman et tu vas avoir de gros problèmes. Je m'en fiche pas mal. Je te laisserai jamais publier tes horribles techniques de guerre alien, tu m'entends? Bon, très bien, Microbe. Je te laisse le premier exemplaire et je vais en imprimer une centaine de millions d'autres. Bonne lecture, Microbe. Oh, l'alien, t'as trop intérêt à ouvrir cette porte tout de suite. Tu peux toujours courir, Microbe. L'alien, ouvre cette porte avant que je t'atomise une bonne fois pour toutes. Papa, au secours. Maman, il y a l'alien qui m'a enfermé. À l'aide, au secours, à moi. Appelez la police, le FBI. Appelez quelqu'un, n'importe qui, vite. L'alien m'a enfermé. Les premiers exemplaires de mon chef-d'œuvre vont se vendre comme des petits pains. Vas-y, prends, c'est pour toi. Bah, c'est quoi ce truc-là? La reconstitution d'un stégosaure. Fin du Jurassique, c'est-à-dire en gros 150 millions d'années avant notre ère. Wow, trop génial! Maman, viens voir ce que Tom a fait à Grippy. Hein? Non! Tom, enfin, mais qu'est-ce qui te prend? T'as perdu la tête? Non, mais c'est pas vrai, il y a des assiettes! C'est Nina! Ah ouais? Comment t'expliques que c'est toi qui tiens si c'est moi qui l'ai repeint? Là, tu me déçois, Microbe. Tu pourrais faire l'effort de mentir mieux que ça. Mon pauvre Grippy. Tu vas me faire le plaisir de le nettoyer tout de suite et de veiller à ce qu'il ne manque de rien. Et comme punition, je te demanderai de nettoyer sa litière pendant un mois. Je te dis formellement de le revoir. Est-ce que c'est clair? Tu ignores qui il est. Je le connais assez pour savoir qu'il suit la trace de son père. Tout comme moi, je suis celle du mien. Tyrannosaurus Rex, capitaine courage, terrasse le brachiosaure. Tom, qu'est-ce que c'est que ça? Et tu fais le malin en plus. Recette numéro 998. Prendre les chaussures de son petit frère, les tremper dans la boue et laisser plein d'empreintes dans la maison. Non mais Tom, regarde un peu ce que tu as fait. Parfois, on se demande bien ce qui peut te passer par la tête. La douce mélodie du petit frère qui se fait punir, mon plus grand plaisir. Ouvre cette porte, l'alien, ou je t'atomise le portrait. Moi. Quand t'es devenu gentil, tu vas me laisser regarder mon épisode de Capitaine Courage. This Christmas. Qu'est-ce qui se passe? Il voulait pas que je regarde la télé avec lui, alors il m'a frappé. Mille dans ta chambre. La terre des lions et je t'interdis
formellement le savoir. Madame Martin,